et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on a la chance de pouvoir tester la dernière MG Marvel Air qui se trouve juste là. Excusez-nous par avance si vous avez des bruits de vent, on est en plein air et bon, il se trouve que c'est un temps nuageux, donc étant à Toulouse, ben, il y a du vent. Donc j'essaierai de retoucher ça un minimum au post-montage. C'est posé, donc voilà, j'ai la chance de vous présenter cette voiture. La MG Marvel Air est accessible à partir de 39 990 euros hors bonus écologique déduit. Donc ça nous ferait une voiture aux environs de 34 000 euros en premier prix. Nous avons la chance de tester la modèle Luxury qui est à 44 990 euros. Quelle que soit la version que vous choisirez, de toute façon chez MG en Marvel Air, elles ont toutes un très bon équipement de série. Les deux premières versions de la MG Marvel Air, la version Confort et la version Luxury, partagent la même motorisation, à savoir deux moteurs montés sur le train arrière, qui donne l'équivalent de 180 chevaux et de 210 litres de couple. On verra dans la suite du test si ça suffit à bouger les 1800 kg de ce SUV. Déjà extérieurement, on peut voir que le design de cette voiture est assez marqué. Il y a, je trouve, à l'avant un côté assez racé avec ce travail de logo en X là sur l'avant, et surtout en version Luxury, mais je crois qu'en version Confort aussi. Dès le premier niveau, on a la chance d'avoir ce spoiler en carbone. Le rendu est vraiment bon. On a aussi les feux LED qui sont sur la calandre avant, qui donnent un style assez racé que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il ne laisse pas indifférent au niveau calandre avant. Il ne laisse vraiment pas indifférent. Il y a vraiment un très très bon rendu. Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'il y a une vraie identité visuelle. Au niveau de la luminosité, à l'avant comme à l'arrière, ils ont mis une identité particulière qui est plutôt bien réussie. On aime, on n'aime pas, moi je trouve ça plutôt réussi. A noter que sur la version Luxury qu'on nous a prêté, donc le milieu de gamme de la Marvel Air, on a la chance d'avoir des jantes bicolores qui ont un rendu qui est assez sympa aussi. Un 19 pouces qui sera en version 18 pouces. C'est pas les mêmes jantes, c'est des 18 pouces sur la version confort. À l'arrière, on a pareil un design qui est plutôt assez travaillé, notamment cette grande barre LED là qui s'allume dès qu'on ouvre la voiture. Le rendu est plutôt sympa également. A noter que c'est une voiture qui est assez longue quand même, elle fait 4,60 m je crois, pour à peu près 1,90 m de large et 1,60 m de haut. Et ce qu'il y a dès la première version, je crois, dès la version confort, on va bénéficier d'un toit ouvrant panoramique. Tout à fait. Avec une option, il y a un espèce de petit filet qu'on peut mettre qui va filtrer l'air quand on s'en sert pour rouler, pour que les passagers ne soient pas trop incommodés. Et les rayons lumineux, du coup, pour pas avoir le soleil sur la tête, en plein sur la tête. Tout à fait. Fonction que je trouve sympathique aussi, puisqu'on a à l'extérieur, c'est le fait que les poignées affleurantes se pré-ouvre en fait quand on ouvre la voiture, elles sortent pour qu'on puisse bien les prendre en main et qu'on puisse ouvrir les portières. Ça, c'est vraiment une très bonne idée de MG. Et même s'il n'y a pas de carte spécifique, là on a vraiment une vraie clé. Tiens, sors la clé. Montre la clé. C'est moi qui ai la clé. Ah oui, c'est moi qui ai la clé. Voilà. On a donc une vraie clé. Donc fermeture, ouverture, capot avant, capot arrière, coffre arrière, pardon. D'ailleurs, on va le tester de suite. Je vais vous montrer le coffre. Voilà. Ah oui, il faut rester appuyé dessus en fait. Okay. Hop, donc on a un vrai haillon. Avec le coffre qui est affleurant et à hauteur, avec une banquette qui peut faire deux tiers, un tiers. Alors l'avantage, c'est qu'on est à hauteur. Donc quand on a des produits dans les mains, on peut venir les poser, on n'est pas obligé de se casser le dos. Par contre, ça réduit un petit peu le volume du coffre, sachant que le sous-coffre, il n'est pas très profond, il n'y a pas trop de rangement. Hein. Et donc vous voyez que directement avec la voiture, MG livre le câble de rechargement qui va bien, qui est un peu mouillé d'ailleurs parce que je l'ai rechargé hier soir à la maison. Voilà. Au niveau de la contenance, le coffre fait 357 litres en l'état, et si vous baissez et que vous avez la totalité de la contenance, vous êtes à peu près à 1695 litres. C'est pas le plus gros volume qu'on ait dans ce segment, c'est un volume qui est moyen, on va dire. Voilà. Ben, on voit qu'on va pouvoir charger en hauteur. Alors normalement, là on voit sur la version, elle a été enlevée, mais normalement il y a quand même effectivement le petit cache-bagage hein, qui se tire. Qui se tire, oui, sur la version de prêt qu'on a eue, il n'y est pas. Alors par contre, petite surprise pour ceux qui sont fans de Tesla et qui critiquent toutes les autres voitures,
MG a pensé à mettre un coffre à l'avant. Et en pas plus, petit. Il a un beau volume. Alors, j'ai pas le volume exact, mais c'est un beau volume. Ça doit être équivalent à peu près à ce qu'on a dans la Tesla. Hein. Non, c'est, enfin, c'est un peu plus que ce qu'on a sur la Tesla, à mon avis. C'est celui l'équivalent du modèle Y. D'accord, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, on a un rangement à l'avant et ça, c'est assez bien pensé. Là, j'avoue que c'est une belle surprise. Et qui Au niveau de l'extérieur, ce qu'on peut vous montrer également. Alors, oui, on n'a pas précisé, mais le coffre est électrique. Hein. Non, non seulement est électrique, mais on a pu voir déjà dans la voiture qu'on peut régler la hauteur. Quand on a des garages un peu bas ou des choses comme ça, on peut régler la hauteur de fermeture et d'ouverture, enfin d'ouverture surtout, du coffre. Dernière petite chose sympa, vu qu'on est sur l'extérieur, ben, je vais vous montrer la prise de recharge. Donc on appuie sur le capot pour qu'elle s'ouvre. Et alors il y a directement des caches, hein, qui sont fournies pour protéger la prise. Donc c'est combo CC. Alors oui, puisqu'on parle de ça, justement, au niveau de la charge, c'est une batterie qui fait 70 kWh. En termes de conso WLTP, si ma mémoire est bonne... Mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ah, j'ai un trou, là. Il me semble qu'on est à 450 WLTP. On est à 402 km WLTP. La conso mixte est donnée pour à peu près 24 kWh au 100. Donc, si on conduit à peu près normalement sur les 400 qui sont annoncés, on doit faire à peu près 350 km. Je dirais 300-350 km. Le petit défaut qu'il va y avoir par rapport à la recharge, c'est qu'elle prend du 92 kWh maxi. Ça veut dire que sur un réseau de charge comme Ionity, si vous voulez recharger de 20 à 80%, vous allez mettre à peu près 43 minutes. Sachant qu'Ionity facture à la minute, ça peut revenir cher. Alors j'ai calculé que pour une charge de ce type-là chez Ionity, sans abonnement, ça vous reviendrait à peu près à 30€ la recharge. Si vous prenez l'abonnement Ionity, vous profitez des avantages. À ce moment, ça vous baissera le prix de la recharge, évidemment. Donc du coup, si vous avez tendance à rouler beaucoup, je vous conseille vraiment de vous abonner à un réseau. Bah, Ionity, hein, c'est le plus présent. Vous tirerez avantage d'un meilleur tarif. En ce qui concerne la recharge à la maison, donc je l'ai testé hier soir sur notre borne à nous, pas de souci, ça charge rapidement. Normalement, si vous avez une borne qui est compatible 11 kWh, vous allez pouvoir passer de 20 à 80 en à peu près 5h30. Nous, sur notre borne, elle a rechargé tranquillement cette nuit, pas de souci particulier. Au niveau de l'assise intérieure, alors déjà, notez que les sièges sont plutôt cossus, confortables. On a des... Alors sur la gamme Luxury que nous avons, les sièges sont chauffants et ventilés, d'où les petites aérations là. Vous voyez qu'ils sont en cuir, ils sont siglés MG avec des petites surpiqûres blanches du meilleur effet. J'aime beaucoup le rendu, également le rendu du volant qui est assez propre, assez beau. Au niveau des portières, ben, elles sont aussi également travaillées avec des petites surpiqûres blanches qui sont en rappel des surpiqûres que nous avons sur les sièges. Nous avons des rangements qui sont assez profonds. On a également les contrôles de vitres, de rétro et de fermeture des portes qui sont plutôt assez bien faits avec un espèce d'effet métallisé. Le rendu est plutôt pas mal. A noter que dans la finition Luxury, mais je crois que dans la version confort aussi, vous avez les tapis de sol qui sont fournis également avec la voiture. Au niveau de la voiture elle-même, si vous regardez le tableau de bord, vous voyez qu'il est assez travaillé, avec des espèces de rendus cuir qui sont du meilleur effet, toujours avec les petites surpiqûres. Donc vous voyez que ça prend toute la planche de bord. Ici, on a un petit effet moussé, qui est plutôt sympa. La ventilation pour la clim est intégrée dans le plancher de bord de manière assez subtile, j'aime beaucoup. Le rendu est vraiment bien. Au niveau du confort du siège, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. On est bien assis, le siège nous prend bien. C'est vraiment confortable, le volant est vraiment bien placé à hauteur. Au niveau des réglages de siège, tout est électrique. On va pouvoir avancer, reculer le siège, le monter, le descendre. A noter aussi que nous avons également des mémoires de siège qui sont intégrées directement sur le siège, avec des petits boutons qui permettent de passer d'un réglage à l'autre. Au niveau de la prise en main du volant, on est plutôt pas mal. On est bien assis, on a face à nous, le toucher est plutôt agréable. On a, bah, vu que c'est une voiture constructeur historique, hein, on a toujours les petits boutons au volant qui vont bien. Avec trois commodo. Donc il y a le commodo d'essuie-glace clignotant. Et là, on a un commodo pour
le régulateur de vitesse qui est directement sur le côté. Au niveau des écrans, bah, comme vous pouvez le voir, on a un écran de 12 pouces qui va nous servir d'écran de conduite, qui est plutôt bien visible, sympa. Il y a les principales informations, on a les indications de vitesse, de charge. Si on active, on désactive les contrôles de vitesse. Si, alors vous avez évidemment aussi le niveau de régénération, mais ça je vous le mettrai après. Quand vous roulez, vous avez en direct sur le milieu de l'écran l'aperçu GPS. Et si vous mettez de la musique, vous avez sur le côté directement les médias qui sont en cours de lecture. C'est plutôt pas mal fait. Et comme vous avez pu le voir, je suppose, sur les images, vous avez également la grande tablette centrale qui, elle, fait 14 pouces. L'écran est vraiment immense. Ça va rappeler à ceux qui connaissent, évidemment, ce qu'on peut retrouver sur les Tesla Model X et S. C'est vrai que d'avoir un écran comme ça sur une voiture dans cette gamme de prix, c'est plutôt sympa et c'est plutôt bien agréable. L'écran est plutôt bien visible. On va dire que niveau, par contre, réactivité, on peut faire mieux. Il fonctionne plutôt pas mal, mais des fois, sur certaines options, il faut insister un peu pour que ça fonctionne. Le point sympa, c'est qu'il est compatible Apple CarPlay et Android CarPlay. Attention toutefois, pour Apple CarPlay, il faut absolument brancher un câble. Ce que j'ai fait, ce que j'ai testé, ça marche très bien. Je retrouve bien toutes mes options Apple directement sur l'écran. Je montre qu'en fait, là, on peut brancher, voilà, il y a les ports USB sont juste là, donc on a branché le téléphone dessous, puisque là, vous allez retrouver quand même un beau vide-poche sous l'écran, ce qui permet voilà, de pouvoir à la fois brancher les téléphones, et si ce que tu m'as dit tout à l'heure aussi, c'est que par contre, il y a un seul des deux ports. Oui, en tout cas, moi, mon iPhone ne marche que sur ce port-là, mais à mon avis, c'est le port dédié à l'Apple CarPlay. Voilà. Puisqu'on est à la planche de bord, on va passer à la boîte à gants, qui a une taille plutôt sympa, je trouve. C'est raisonnable. Oui, tout à fait. Au niveau des rangements, on va avoir ici un porte-gobelet qui va bien, et surtout dans la coudoir centrale, qu'on peut ouvrir comme ça, on va avoir un rangement avec un emplacement pour recharger le téléphone à induction. Je sais pas si on voit bien, mais effectivement, il y a bien un petit rangement pour le mettre debout. Voilà, on va bien positionner comme ça pour la charge. Voilà, vous voyez, le rangement est quand même assez profond. Alors Camille en parlait tout à l'heure, alors je ne l'ai jamais testé, je vais le tester avec vous en direct, le toit ouvrant. Est-ce que c'est ça? Oui. Voilà. Ah, ça l'été, ça doit être sympa. Puis ça apporte tout de suite de la luminosité dans l'habitacle, c'est plutôt agréable. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a automatiquement un petit filtre coupe-vent qui s'ouvre pour vous protéger, enfin surtout les passagers arrière en vrai. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est plutôt agréable. Et c'est facile à mettre en œuvre, hein, commande électrique. Au niveau des places arrière, on est plutôt bien assis. Je fais 1m75, hein, je suis pas hyper grand, je suis pas spécialement petit non plus, mais vous voyez que la garde au toit, ben on est plutôt pas mal. J'ai de la place pour les jambes, je peux glisser mes pieds sous le siège du conducteur, j'ai mon vide-poche à l'avant. Au niveau des petits détails sympas, j'ai le petit logo MG ici qui a un rendu qui est vraiment pas mal. Alors le petit truc par contre, eh ben, c'est qu'on est pour un SUV, pour les places arrière, on est assez bas. Si vous voyez, j'ai mes genoux qui sont au-dessus de mes fesses. Et surtout, eh ben, au niveau de la portière, on est un petit peu en dessous. Ça fait bizarre, on ne s'attend pas à ça pour des places arrière dans un SUV, mais ça reste confortable. Autre niveau de confort assez sympa, c'est que nous avons la coudoir centrale qui est plutôt bien fait, avec toujours pareil, le range-gobelet, le petit accoudoir qui s'ouvre pour pouvoir ranger des éléments, et puis surtout, en venant appuyer ici, on a les ports USB qui vont bien pour le rechargement. Donc du coup, niveau place arrière, j'ai pas spécialement de reproches à faire. Je trouve que c'est confortable. Si vous regardez, les sièges sont plutôt super bien dessinés pour une voiture de cette catégorie, pour des places arrière. On a vraiment un design qui fait penser à une gamme supérieure. Si je ne m'abuse, j'ai entendu dire qu'on pouvait plus ou moins incliner les dossiers des places arrière.
Ouais, alors par contre, j'ai pas regardé comment on se fait, mais oui, apparemment, on peut incliner les dossiers arrière. Donc, au niveau présentation globale de la voiture, ben, je la trouve plutôt assez sympa, extérieurement, intérieurement. Si j'avais un bémol à donner, ça serait au niveau du coffre, le volume, qui est un peu moyen pour une voiture de cette catégorie. Mais en dehors de ça, l'équipement est plutôt sympa, la tablette tactile du milieu est plutôt agréable. D'ailleurs, vous verrez quand Camille va conduire qu'il y a plein de fonctions sympas. Bref, moi, perso, je donne un bon point pour l'habitabilité et le design général de la voiture. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ouais, pareil. Moi, elle m'a bien plu. On va en discuter plus en détail en roulant, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, du coup, on va passer à la conduite, parce que je vois que Camille est en train de geler sur place. J'ai trop froid. J'espère que je ne tremble pas trop. Allez. Hop. Donc là, je vais allumer la voiture. Donc, pied sur le frein et petit bouton. Et on voit que elle est en train de mettre mon siège en position pour la conduite. Ce qui veut dire aussi que quand on s'arrête, alors pas tout de suite quand on éteint la voiture, mais dès que je vais venir ouvrir la portière, si j'éteins la voiture et que j'ouvre la portière, voilà, elle va se mettre en position reculée pour nous sortir. Aider à sortir de la voiture. Bon, ça c'est un petit truc qui existe aussi hein, sur la TM3 avec réglage, mais ça a l'air de rien, mais c'est bien, c'est confortable. On a une bonne visibilité à l'arrière. Les roues ne sont pas droites. Bon, elle nous parle beaucoup. Elle aime bien causer. Ouais. Elle aime bien causer, clairement. Bon, on va faire un tour. Allez, vas-y, allume. Alors, je vais montrer un truc moi que je trouve génial dès qu'on allume la voiture. Donc, alors, au niveau des commandes, vous avez le parking qui est là et c'est la molette qui va vous aider à choisir le mode drive, neutre ou marche arrière. Exactement. Et alors, petit détail, vous choisissez les différents modes ici. Donc, il y a quoi comme mode? Alors, on va avoir le mode normal sur lequel je suis. On va avoir le mode sport. Ça donne un surplus de puissance, en fait. Ça permet d'avoir des accélérations beaucoup plus franches. Tout à fait. D'avoir toute la puissance disponible dès la première accélération, le premier coup d'accélérateur. Ensuite, on va avoir le mode éco. Qui, lui, forcément, va réduire les accélérations. Et je ne sais pas si ça change un peu quelque chose au niveau du frein régénératif, mais en tout cas, c'est le mode qui est privilégié pour l'autonomie, évidemment. Ah oui, j'ai oublié celui-là. Il y a un mode winter qui permet, a priori, de réduire encore le frein régénératif et les accélérations pour permettre de se sortir de situations ou en tout cas d'être plus safe pour, plus safe pour conduire quand on est sur gel ou neige. Ou, voilà. Alors, dernier petit bouton, le régène. En fait, qui vous permet de régler le frein régénératif, qu'on voit donc directement là. Et il a trois positions. Sachant qu'au niveau max, avec Camille, on le trouve léger. On ne peut pas dire qu'on peut conduire à une pédale avec cette voiture. Alors non, elle n'est pas faite pour... C'est pas une one pédale. C'est évident. Oui. Après, il y a de la régénération, mais c'est vrai. Ce petit côté-là, moi, me manque dans la conduite. Tout à fait. Allez, vas-y, on voit. On va voir ce que ça donne en conduite. Du coup, tu t'es mis en mode normal? En fait, d'office, elle va se mettre en mode normal. D'accord. C'est-à-dire que d'origine, quand on allume la voiture, elle se met en mode normal. Donc, si on veut changer de mode, il faut le faire à la main. Alors, petit truc sympa qui est dispo sur la version luxury, pas sur la version confort, c'est que vous avez la vision. Alors, dès que vous allumez la voiture et que vous enclenchez le drive ou la marche arrière, elle vous met directement un écran avec la vision 360 degrés pour que vous puissiez partir en toute sécurité. Je trouve ce mode-là vraiment super, moi. Et donc, elle vient indiquer ici, voilà, elle m'indique clairement sur ce dessin que ce qu'elle me montre, comme je suis en marche arrière, c'est ce qu'il y a derrière moi. Et elle va venir m'indiquer ici, par rapport au positionnement de mes roues, là où je vais aller. Donc ça, c'est l'endroit où on est. Hein. On a vraiment une vision à 360 de la voiture. C'est vraiment super bien fait. Donc là, je me remets en départ, en drive. Donc elle m'indique bien que ce que je me montre la caméra, c'est ce qu'il y a devant moi. Allez, c'est parti. Alors, on a eu la chance de l'avoir tout le week-end. Donc on va pouvoir vraiment vous donner nos sensations par rapport à la conduite. D'ailleurs, je voulais vraiment remercier le groupe Perrault MG à la Beige, qui a vraiment été super cool sur ce coup-là. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez l'essayer vous
également à aller leur demander, à aller les voir. Ils sont vraiment super sympathiques. Ils vous proposeront un essai de la MG que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce que tu penses de tes sensations de conduite ? Alors, déjà, ce qu'on peut dire au niveau des suspensions, c'est assez spécial parce que, en fait, on sent bien, il y a les sièges hein, ont un accueil et une suspension assez ferme, mais par contre, au niveau de l'amortissement, et alors notamment, on le sent sur à la fois quand on va rouler très doucement et à la fois quand on prend un peu d'accélération. Comment tu dirais ça ? Oh, moi j'ai l'impression qu'elle est. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Elle flotte en fait. Alors flotter, pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que le ressenti, on a vraiment l'impression de flotter. Voilà, c'est pas agressif. On sent que c'est un véhicule, à mon avis, qui se conduit de manière tranquille. Moi, c'est l'impression que ça me donne la conduite en fait. On a de la puissance, puisqu'on est à 180 chevaux sur ce modèle-là, ce qui est déjà pas mal. Hein. Elle pèse 1,8 tonne, donc 180 chevaux sur 1,8 tonne avec un couple de 210, c'est plutôt pas mal, ça permet des accélérations franches. Par contre, c'est pas une voiture pour avoir une conduite agressive. C'est l'impression que me donnent les suspensions et la façon, le ressenti que j'ai par rapport à la voiture. C'est pas mal confortable. Là, on est sur une route qui est assez, voilà, où il y a plein de petites aspérités, il y a plein de trous, enfin des petits trous, hein, des petites bosses en tout cas. Ouais, enfin, c'est pas la route idéale. Hein. Non, voilà. Mais donc justement, par rapport à une Tesla, bah, c'est notre référentiel où on aurait un ressenti un petit peu plus ferme. Là, c'est plus agréable quand même. Alors là, tu laisses le frein régénératif pour freiner. T'es quand même obligé d'appuyer sur la pédale de frein à l'arrivée au... Ouais, parce qu'on avait, y a pas vraiment cette sensation de freinage fort. Non, non, elle ralentit correctement, mais pas jusqu'à l'arrêt, donc ben, c'est pas une one pédale, on est d'accord. À noter le bruit très cheap des clignotants. Alors du coup, on va arriver sur une 2x2 voies, donc si tu veux passer en mode sport et nous faire une accélération. Voilà, donc je l'ai passé en mode sport, le cadran prend un petit effet rouge enflammé pour nous dire qu'on est en mode nerveux. Et donc tu vas pouvoir envoyer la sauce. Ah, les accélérations sont quand même pas si mal que ça. Hein. Elles sont franches. Ouais. Voilà, en mode sport, on va avoir une accélération franche. Alors oui, on n'est pas complètement machin, mais sans problème, elle envoie. Ouais, ça accélère bien quand même. En mode sport ? Ouais. Elle est top top, vraiment. C'est-à-dire que là, c'est bien franc. Pas de problème. Moi, j'aime beaucoup le confort, hein. Franchement, même en passager, c'est plutôt agréable. Je suis plutôt bien assis. Moi, je valide. Hein. Je me verrais bien faire de la route dans cette voiture, il n'y a pas de souci. Ah, à noter l'insonorisation qu'on trouve vraiment pas mal par rapport à d'autres véhicules qu'on a testés. Ouais. Il y a moins de bruit de vent, c'est mieux insonorisé. Alors là-dessus, ils ont bien travaillé. On a pu remarquer que la clim peut avoir des, notamment en automatique, de temps en temps, elle s'enflamme. Et on l'entend vraiment beaucoup quand elle s'enflamme. C'est vrai. Pendant que madame conduit, je peux vous montrer un petit peu l'écran qui est plutôt sympa. Donc on a pas mal de réglages. Donc les réglages de la clim, puisque Camille en parlait, on l'a directement sur la tablette. Donc vous pouvez régler à peu près ce que vous voulez, la mettre en auto, régler les flux. C'est plutôt pas mal fait, en dehors du fait qu'elle s'enflamme. Et il y a un petit truc de kéké sympa quand on est la nuit. On peut régler la couleur des LED, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dans les trucs stylés de la voiture, on a des LED dans les portières. Donc on peut changer la couleur. Ça a toute son importance. Elle m'a recalé d'une force. Alors oui, puisque Camille en parle, il y a un truc quand on n'a pas l'habitude qui est assez perturbant, je trouve. C'est le maintien dans la voie. En fait, dès qu'on mord un petit peu une ligne, elle a tendance à nous recadrer ultra violemment. Pas violemment, façon de parler, mais là où des voitures, elles vont mettre une petite résistance sur le volant, là, la Marvel Air, elle nous met un bon coup de volant, en fait, hein, pour nous recadrer. Alors, notamment si on a un petit peu oublié ou qu'on a mis un petit peu tard le clignotant. Alors là, ça pardonne pas. Et puis,
Ouais, ça peut être un peu violent. C'est-à-dire que là, en fait, on arrivait sur un rond-point, donc on avait une deux voies qui se transformaient en une à l'arrivée du rond-point. Pourquoi, on n'en sait rien. Elle savait pas où j'allais. Elle a décidé à ma place, hein, où il fallait que j'aille. C'est vrai. C'est oui, extrêmement surprenant. Je te confirme. Alors, en ce qui me concerne, y compris quels que soient les modes de conduite qu'on va mettre, la direction est pour moi assez souple. Oui, c'est vrai. Elle est moins incisive dans la direction, ce qui fait que elle est peut-être un petit peu moins en mode sport, mais elle reste, je trouve, assez souple, la direction. Alors on n'aime pas. Moi, je suis habituée à un petit peu plus solide que ça. Après, du coup, elle est quand même super maniable, je trouve, pour une voiture de cette envergure. Et même chez nous, quand on a eu besoin de la garer, alors que la place n'est pas exceptionnellement grande, au final, on s'en sort pas mal. Pour une voiture qu'on connaît pas. Oui, oui. Puis en plus, avec toutes les aides, pour le coup, la vision 360 et compagnie permet quand même, en plus, de bien voir ce qui se passe. Au niveau des aides à la conduite, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, vous avez deux séries, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture de cette catégorie-là. La Climoto est de série, et alors on n'en a pas parlé, mais vous pouvez la contrôler et la programmer directement via l'application MG. C'est plutôt sympa le matin quand vous devez partir au travail et que vous voulez vous retrouver avec un véhicule préchauffé. Alors d'une manière globale, moi je dois avouer que la voiture me plaît par rapport au segment où elle est. Elle est plutôt à un tarif sympa, elle est super bien équipée, elle est agréable à conduire, il y a la puissance qu'il faut pour doubler ou pour sortir de situations dangereuses quand il y a besoin. Si j'avais à noter des points négatifs sur cette voiture pour ma part, ça serait encore d'améliorer un petit peu la qualité de l'écran tactile central qui peut avoir des petits ralentissements. L'autonomie de la voiture aussi, puisqu'il n'y a pas de réseau de charge affilié, donc évidemment vous pouvez prendre Ionity, mais il faudra bien faire attention à bien planifier vos trajets. Et le volume du coffre qui est moyen pour la catégorie, ce que je trouve dommage. D'une manière générale, moi la voiture m'a plu et c'est une voiture que je pourrais très bien en acheter en voiture principale. Ton ressenti sur la voiture ? Alors moi ce que j'ai bien aimé c'est le design. Il n'est pas... je sais pas, j'aime bien. Moi j'aime bien la signature lumineuse hein, au final, à l'avant, à l'arrière, là, cette bande, ces bandeaux de LED, je les trouve sympas. Le rappel donc en intérieur quand il fait nuit. Franchement, c'est des petits détails, hein, mais je trouve ça plutôt sympa. Après, en termes de confort, je trouve ça pas mal. Et pour une famille, c'est peut-être plus agréable la hauteur de caisse, hein, forcément. On est dans un SUV, on est vraiment assis. Les places à l'arrière, les enfants qu'on a pris ce matin en voiture nous ont clairement dit que c'était très agréable. Donc ça, c'est vraiment des points très positifs. Au niveau de la conduite, c'est pas mal hein, pour ce gabarit-là. Je pensais être plus embêtée. Ce matin, on est allé en centre-ville de Toulouse. On est allé dans un parking, etc. Ça s'est plutôt bien fait. Donc ça veut dire qu'elle a un rayon de braquage qui est quand même vraiment pas jeté pour la taille du véhicule. Non, c'est plutôt bien. Voilà. Maintenant, en ce qui me concerne, ce qui me convient pas, par contre, c'est d'abord de pas pouvoir faire une pédale, quoi. Je suis tellement habituée maintenant que de pas avoir ce frein régénératif qui va jusqu'à l'arrêt complet, ça me gêne. Ça me gêne vraiment. Parce que déjà que je suis quelqu'un qui anticipe énormément, même en anticipant tout ce que je veux, je sais que je pourrais pas aller jusqu'à l'arrêt et bon, j'aime moins quoi, voilà, ça c'est une partie que j'aime moins. Comme Cédric après, hein, c'est une histoire de autonomie et puis réseau de charge, hein, c'est encore ce qui pêche un petit peu quand on, en termes de voiture principale, si c'est une voiture principale, ça me gêne un tout petit peu. Maintenant, sur le segment avec ce tarif-là, par contre, au niveau équipement, c'est imbattable. Performance et compagnie, je ne sais pas si c'est imbattable, je ne les connais pas toutes. Ah, si, par contre, elle est très bien placée. C'est super. Voilà, on ne peut pas dire autrement, c'est super. Voilà, parce qu'on ne pourra pas, là, c'est le prix au niveau tarifaire,
on est sur le tarif d'une Model 3, si on compare avec ce qu'on connaît, c'est le prix d'une Model 3, où on est plutôt là sur le segment, je parle de type de voiture, on est sur un SUV assez familial, avec vrai 5 places, etc., même si le coffre n'a rien à voir. Mais voilà, on est plutôt sur les capacités d'une Model Y, je ne parle pas des performances. On est vraiment sur la capacité de la voiture, le segment sur lequel ils sont, au prix d'un Model 3. Voilà. Donc là, c'est sûr que c'est un très bon, je pense, rapport qualité-prix, surtout qu'effectivement, même de base sur la version confort, elle va être déjà très bien équipée. Donc ça, c'est un bon point à noter pour MG. Et puis leur techno est vraiment pas mal, quoi. On a une pompe à chaleur, ce qui est quand même pas le cas sur toutes les voitures encore, même électriques. Enfin, il y a vraiment des choses sympas. Ouais, le toit ouvrant, panoramique. Il y a vraiment des très très bons points sur cette voiture. Voilà, j'espère qu'on a été concis sur le test. Si vous voulez vous faire une idée, que vous êtes de la région toulousaine, n'hésitez pas à aller voir MG La Beige, il se fera un plaisir de vous faire tester le véhicule et de répondre à toutes vos questions. Nous, on a été ravis de réaliser cet essai pour vous, c'était vraiment super sympa, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à essayer cette voiture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain essai sur Camille et Cédric en VE. Ciao ciao. Bye.